Giovanni, je t'attends.
Tu la fais pas? Quand on travaille aussi dur, moi, que je travaille. Thank you.
très longs voyages, et l'étoile pendant leur route était toujours au-devant d'eux, comme pour leur montrer le chemin. Avant d'arriver au village de Bethléem où était l'enfant Jésus, ils traversèrent Jérusalem. Tu trouveras là-dedans, et pour toi,
il y a 6000 lits. 6000 lits. Pour toi. Pour que tu puisses étudier. Donc t'as lâché, je... Tais-toi. As-tu appris ta leçon d'aujourd'hui? Oui. C'est bien. Installe-toi là, à la table. Tu trouveras mon livre. Non nobis sed patriae vivamus. Multi non dominus. 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 Minte homines spectator non frontes multae simul. Thank you.
Pour devenir un bon prêtre, tu n'as pas besoin de t'en affaire. Allons, si tu veux arriver avant la nuit, il est grand temps que tu partes. Allons, grand-mère. Antonio, qu'est-ce que tu fais Thank you.
travaille et moi je passe ma licence. Tu vas dormir la journée. Bon, bon, il me semble que ça suffit. Donc, Bosco, Bosco Giovanni, Cusquam Optimi. Bosco, la commission des examens t'a accordé la licence avec la mention plusquam optime. Maintenant, que penses-tu faire? Veux-tu retourner chez toi? Non, je voudrais rentrer au séminaire. Au séminaire?
santo, forum religiosi peccata reinfluturei, et forum residui presenta tutti. Ora innocentie indua te domino. Provincis mili et successoribus mei, reverentia et obedientia provincia. Sanci domino, sic sempre in secolo. Amen. Bon.
Bonjour, vous êtes la mère de Carline? Oui, pourquoi? Je suis venu pour voir Carline, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Même à cette heure, il doit être encore à l'auberge. Entrez, mon révérend.
été même en lumière. Pense au ciel avec moi. Et répète avec moi. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedictus. Ah, Don Bosco, tout ça, ce sont les utopies. Le monde est ainsi fait, là. D'un côté, il y a les pauvres, de l'autre, les riches. Et pourtant, mon cher Denis, il doit y avoir quelque chose à faire. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais je suis persuadé qu'avec l'aide de Dieu, je réussirai. Es-tu venu pour servir la mère? Non, j'en suis pas capable. Et alors? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Gardez un peu! Dors, dors, qu'est-ce qui t'a fait entre tout le monde avec la question de la maison? Allez, Venine! Écoute, ne renvoie pas, jeune garçon. Laisse-le entrer. Ah, Pauline, je n'aurais jamais cru que tu traiterais mes amis de cette façon. C'est votre ami, ce garçon? Mais certainement, c'est mon ami. Par contre, dans le school, je ne le savais pas. Ah, Pauline. Et on pouvait t'envoyer. Hein? Comment t'appelles-tu? Barthélémy Garelli. As-tu encore tes parents? Non, pour petit. Tu travailles? De temps en temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'attends. Ah, m'attends. Et le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah, c'est mal. Mais tu verras que dorénavant, je te procurerai un bon moyen d'employer gentiment ton dimanche. T'es lire et écrire? Non. Tu connais le catéchisme? Il y a bien quelque chose que tu sais faire. Et tu chantais? Oh oui, c'est ça! Enfin, enfin. Hey,
que vous êtes le seul dans cette ville à admettre la justifier le rassemblement de cette bande de 500 ou 600 jeunes garçons. Mais j'ai dans mes dossiers les dénonciations écrites de très honorables citoyens qui se plaignent journellement et de bien des façons au sujet de la conduite de vos jeunes voyous ou de vos polissons, si vous préférez les appeler ainsi. Je vais vous en lire quelques-unes. Hein? Ah, voilà. J'informe votre illustrissime seigneurie que dans l'après-midi du 12 de ce mois, une bande de jeunes gens conduits par un prêtre a envahi, piétiné et saccagé un champ situé sur ma propriété. Les dégâts très importants seront à la somme de 245 livres. Une autre. J'informe votre illustrissime seigneurie qu'une horde, de jeunes garçons a dévasté une haie d'une longueur d'environ 50 mètres. Et puis, il y en a une tout à fait charmante. Mais où est-elle donc? Ah, la voici. Écoutez, à mon grand regret, il m'a fallu constater aujourd'hui que la récolte des cerises du verger de ma propriété avait été déjà soigneusement faite. Et je vous épargne la lecture de toutes ces dizaines de lettres accusatrices. Mon cher révérend, je suis tout disposé à la plus grande indulgence, mais j'ai l'impression que tous ces gens et que toutes ces doléances finiront par attirer l'attention des services de la municipalité. De ces services de la municipalité qui n'ont cessé de montrer jusqu'à ce jour qu'ils avaient à cœur de protéger avec un zèle à toute épreuve le repos et la tranquillité de tous les honnêtes citoyens. Non, messieurs, ce n'est pas une haine de partisans qui me fait agir. La défense de ces idées immortelles sur lesquelles reposent les principes des nations modernes. Rien ne vous retient de penser que ce prêtre, fidèle à la politique du pouvoir temporel, n'a pas l'intention de transformer au moment opportun toute cette équipe désœuvrée en une bande de conspirateurs armés éventuellement. C'est pourquoi je propose formellement que l'on procède sur le champ à une perquisition des plus minutieuses dans la maison du théologien Giovanni Bosco. Regardez, Don Borel, le désordre qu'ils ont été. Et vous? Vous ne leur avez rien dit? Moi? Mais que pouvais-je leur dire? Si, quand j'ai vu qu'ils étaient persuadés que les documents les plus compromettants qu'ils avaient trouvés étaient les factures du boulanger et du boucher, j'aurais proposé de les payer. Mais ils n'ont pas voulu accepter. Oui, entrez. Yes. Donne, donne. Ah, des frères Filippi. Au révérend Don Giovanni Bosco, nous sommes au grand regret d'avoir à vous communiquer. Décidément, ce n'est pas une très bonne journée pour notre oratoire. Oui, le terrain me convient. Mais quant à ce hangar,
Il y a tout à refaire. Oh, ce n'est pas la bonne volonté qui nous manque, mais... Oh, mais avec tous vos gens, les maçons, les menuisiers, il me semble que c'est une bonne occasion pour eux de monter leur savoir-faire. Que pour vous il assume. C'est compris ? Oui, monsieur.
enfants. Maintenant, mon cher Don Bosco, que le ciel vous aide. Garde-nous! Oh, non, non, merci, laissez-moi faire. Venez avec moi, au pas de promenade et soyez gais.
veux que vous viviez encore un grand nombre d'années. Mais quand vous viendrez à nous manquer, je me demande s'il adviendra vos heures. Oui, voilà. En effet, j'ai déjà pensé à former un groupe de quelques personnes ayant les mêmes idées que moi et qui, dès maintenant, travailleraient avec moi à l'oratoire. Mais le gouvernement a supprimé beaucoup de congrégations religieuses, et puisqu'il pense encore en supprimer d'autres, comment peut-on songer en créer une nouvelle? Laissez-moi faire. Je connais parfaitement la loi sur les congrégations. Elle ne vous occasionnera aucun ennui. Il vous suffit de constituer une société dans laquelle chaque membre conserve tous ses droits civils, obéit strictement aux lois de l'État, paie ses impôts et... Pour l'oratoire de Saint-François de Sales et dans la cellule du révérend père Giovanni Bosco, convoqué sur ses ordres et par devant lui, se sont réunis les prêtres Alain Donati Vittorio, Savio Angelo, diacre, Juan Michele sous-diacre, Gagliero Giovanni, Francesi Giobatta, Provera Francesco, Chivarello Carlo, Lozero Guisette, Bonatti Giovanni, Serviti Francesco, Furando Celestino, Seminari. Dans le but de susciter et de conserver l'esprit de vraie charité qui se doit dans l'œuvre des oratoires pour la jeunesse abandonnée. Et pour ces raisons, décide de s'ériger en société le 16 décembre de l'année du Seigneur 1859.
cher Rua, d'ici peu de temps, tu seras seul pour faire tout. Je suis si fatigué. Donc, Bosco, pourquoi ne voulez-vous pas prendre du repos? Du repos? Oui. Mes véritables vacances vont bientôt commencer. Oh, Don Bosco, pourquoi parlez-vous ainsi? Oui, à Don Bosco, il ne reste plus qu'à tirer une bonne conclusion. Assieds-toi, Rua. Et ne t'effraie pas. Les fatigues et les sacrifices seront nombreux. Mais songe que nous nous trouvons ici, dans le petit hangar de Pinardi, où il y a 40 ans, ma pauvre et bonne maman, entrant pour la première fois et regardant autour d'elle d'un air effrayé, disait « Ça manque de tout ici !» Et elle avait raison. Mais elle était là à nous attendre. Vers elle, je me suis tourné tous les matins et tous les soirs. Et tout ce qui s'est accompli dans cette maison est son œuvre. Et tout ce qui reste à faire, et que tu feras toi et tous les autres après toi, sera toujours son œuvre. Les oratoires, les laboratoires, les écoles, les missions iront se multipliant. Et vous vous compterez par milliers. De nouvelles villes, de nouvelles terres apprendront à connaître notre œuvre. Tu me regardes comme il y a 40 ans me regardait quelqu'un qui croyait que j'étais fou. Mais cependant, tu sais, toi, que je n'étais pas fou. Écoute-moi. La clé du secret a toujours été celle-ci. Travailler et prier. Travailler et prier.